Bonjour. Vous souhaitez apprendre l'anglais, même plus que apprendre l'anglais, vous souhaitez bien autre chose, vous souhaitez aller encore plus loin que l'apprentissage de la langue anglaise. Vous voulez associer l'apprentissage de la langue anglaise avec la rencontre avec de vrais anglais. C'est souvent effectivement un désir partagé et que je peux comprendre effectivement. Alors si vous souhaitez apprendre l'anglais, ça c'est une chose, mais vous pouvez aussi associer l'apprentissage formel de l'anglais avec la rencontre épisodique, récurrente, fréquente avec de vrais anglais. Alors ça, j'ai une idée là-dessus et j'ai un message à vous transmettre, c'est que je peux l'organiser pour vous, je peux le faire pour vous ici. Alors que vous soyez français avec le désir d'apprendre l'anglais et de rencontrer de vrais anglais dans le cadre d'un échange riche et organisé en direct, en live avec eux, que vous rencontrez en chair et en os, eh bien je peux l'organiser pour vous parce que tout simplement ici en Dordogne j'en connais quelques-uns et notamment un couple fantastique voilà, qui sont restaurateurs du côté d'Exideuil, voilà. Ça c'est tout à fait possible. Voilà, vous connaîtrez leurs goûts, leurs aspirations, vous baignerez dans une ambiance purement british, voilà, et puis vous connaîtrez leurs us, leurs coutumes et tout ce qui va avec. Vous baignerez avec eux comme si vous étiez vraiment en Angleterre, Birmingham ou à Londres, peu importe. Mais franchement, c'est riche en couleurs, tout ça. Donc ça aussi, effectivement, il y a l'apprentissage de l'anglais. Et puis, effectivement, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, de France ou de Navarre, vous pouvez aussi avoir l'appétence de rencontrer en vrai des Anglais et puis d'échanger avec eux. Et puis surtout si ces Anglais, en plus, ont l'avantage de parler français. Voilà, si vous avez quelques défaillances, ces Anglais-là, moi, je les ai rencontrés, je peux vous dire qu'ils parlent parfaitement le français. Donc, dans cette configuration-là, pourquoi ne pas se jeter à l'eau et effectivement de vérifier par soi-même et de voir quelle richesse ils ont parce qu'ils ont franchi le pas de la langue française comme vous, vous avez franchi certainement déjà le pas de la langue anglaise. Voilà. Et effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment très très riche. Donc, c'est le moment ou jamais. Si vous souhaitez rencontrer ces gens-là, n'hésitez pas. Vous me laissez, comme on dit en anglais, let the comment below. En bas, vous me laissez vos commentaires en dessous et puis je vous contacterai pour organiser quelque chose, une rencontre efficace via hébergement, nourriture, vous pourrez goûter aussi à ce qu'ils dégustent eux. Voilà, et puis ils vous parleront aussi de leurs difficultés qu'ils ont rencontrées à l'occasion de l'apprentissage de langue française et puis tout simplement de leur immersion dans ce pays qui est le nôtre. Voilà, donc l'échange est toujours utile et constructif, ne l'oubliez pas, jamais. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, vous cliquez ici, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes commentaires en dessous, n'hésitez pas, et puis les commentaires en dessous, n'hésitez pas, et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement, ici vous cliquez ici, vous avez effectivement mon laïus que j'ai pondu il y a quelques temps pour tout simplement vous dire comment apprendre l'anglais avec plaisir et sans contrainte comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.